L'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Touloum. Et bonjour à tous, c'est KiwiWar9 et on va tout de suite un peu se dépêcher. Alors, vite fait, est-ce qu'il y a possibilité? Zone pas encore disponible, d'accord. Alors, on va vite s'occuper de ces chasseurs de pirates. Enfin, chasseurs de pirates amateurs, j'ai envie de dire. Les pauvres, ils vont se faire défoncer, ils ne savent pas encore. Où êtes-vous? Faut pas fuir, les mecs. Hein. Assumez. Assumez à 100% votre acte. Bon, et sinon, bonjour à tous, c'est KiwiWar9 et nous sommes encore sur Assassin's Creed Black Flag. Et oui, magnifique, magnifique. Ah, toi, on va te faire péter. Ah, dommage, je pensais l'avoir eu. Ah, bah, on l'a eu. Donc, toi, tu meurs s'il te plaît et en silence si possible. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, j'ai changé mes flingues. Et j'ai changé mes flingues. Voilà, de magnifique. Alors, toi, boum. Toi, boum. Et voilà. Franchement, les chasseurs de pirates, c'est plus ce que c'était. Hein. Ça me désole. Ça me désole. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? 20 de bois, 20 de métal, 20 de tissu, 6 de boue explosif, 4 projectiles de mortier et 3 membres d'équipage. Parfait. On va plutôt envoyer la flotte. Puis... Ouh, c'était quoi que ce truc là? C'était quoi que ce bail? Oh! Et voilà. Ah oui, je vous vais montrer un truc. C'était sur fabrication. Normalement, bah, j'ai tout pour fabriquer voilà quoi, mon étui de pistolet de niveau 3, même si j'ai niveau 4, mais bon, il faudrait bien que je fasse celui-là. Mais ils me disent fabrication indisponible pour l'instant. Pourquoi, s'il vous plaît, que quelqu'un me réponde dans les commentaires ou sur Twitter, pourquoi je ne peux pas fabriquer mon étui? Bon, ça, normalement, c'est normal que je puisse pas fabriquer, j'ai pas encore de peau de requin blanc. Mais là, je ne comprends pas, quoi. J'ai toutes les peaux de baleine à bosse, normalement, je suis censé pouvoir le fabriquer, mais là, je ne sais pas pourquoi, il m'est complètement impossible. Dans le fabriquer. Mais bon, oh, oh, je l'avais pas vu. Et... Ouh. Mouvementé ce début d'épisode. Ça, ça me fera flipper, ça. Bon, et eh ben c'est mouvementé, les mecs. La dernière fois... on avait parlé à un assassin. On l'avait aidé à libérer les siens et autre chose. Donc là, on va continuer parce qu'il nous a carotte. Il nous a carotte, le petit saligo. On n'a pas la clé des Templiers. Et moi, je veux la clé des Templiers. Donc on va aller la chercher. C'est quoi ces bateaux? Ouh, dis donc, il y a du combat là. Ils se font la guerre. Ils se font la guerre. D'ailleurs, voyons voir. Le bateau qui se fait attaquer, c'est un brick. Pirate! Vous avez osé détruire un pirate devant mes yeux! Il est hors de question que je laisse un crime. Comme ça! Nya. Il résistera. Oh, mais il lui fonce dessus. Oh, la vitesse. Mon Dieu. Il est mort juste devant nous. Ok, les mecs, ça va. Ça va péter. Ça va péter. Mince, on a tiré dans l'eau.
pas pratique ça. Oh, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce qu'il fait ce bateau? Dis donc, mais tu es fou! Il ne fallait pas attaquer ce bateau pirate. Alors comme ça, t'as essayé de nous faire chier. T'as essayé de couler un bateau pirate. D'ailleurs, il l'a fait. Nous allons tous vous piller. On va les toucher. Oh, oui. Solidarité entre pirates, les mecs. On va leur apprendre. Même si je pense qu'au début, c'est nous qui avons fait l'erreur de les attaquer. Puisque nous sommes des pirates. Mais rien à battre. Ouh. Bon coup, ça. Triche quoi? Comment ça, j'ai éliminé un membre d'équipage? Je comprends pas le principe. Hop. Toi, headshot. Avec un canot pivot, je pense que ça fait mal. Bon, il est vachement haut, ce bateau. Bonjour. Faites comme si j'étais pas là. Ah, excuse. Je n'avais pas vu. Merci. Donc si j'ai bien compris, toi tu dois être le capitaine, non? Boum! Voilà ce que je fais moi au capitaine. À ses officiers. S'ils avaient du respect envers moi, ils abandonneraient le combat. Hop! Et voilà, ça c'est fait. Ah, là ça rapporte. Là ça rapporte et on va se réparer. Mince alors, j'ai encore oublié de mettre le chrono. Franchement, c'est pas malin. Pas malin du tout. Mon appli va permettre d'améliorer le navire, capitaine. Genre, mon chrono peut charger. Bon. Putain, mais même dans leur mort, ils essayent de nous faire chier, quoi. Donc, on doit aller à Kingston. Donc, on va aller à Kingston. Ça va, c'est pas si loin que ça. Par contre, s'il pouvait se la fermer. Merci. Genre le mec, le capitaine à la barre. Bon les mecs, vous pouvez vous la fermer s'il vous plaît. Merci. Hop. Oh, du rhum, parfait ça. Ah, il y a un autre bateau pirate là-bas. Ah là, il y a un mec à sauver. Ah, trop tard, je suis trop loin. Je vais devoir rester là-bas. Ouais, donc moi, en fait, j'aimerais savoir, surtout, s'il y a des joueurs PC qui me suivent, parce que... Oh, une baleine. C'est une baleine en brosse. Ouais, s'il y a des joueurs PC qui me suivent, ça serait intéressant, comme ça, peut-être qu'on peut se faire un truc. Mais c'est surtout comparé par rapport à la vidéo de Chivalry que j'ai sorti. Je compte faire un petit concours. Et malheureusement, il y a que les joueurs PC qui pourront en profiter. Je suis désolé, hein, mais moi, les consoles, quoi... Bon, j'ai eu une console avant, d'ailleurs, c'est une Xbox. Mais bon, on va dire que là, elle est en train de prendre la poussière. Bah, depuis que j'ai un PC, voilà, quoi. Les consoles, ça me donne mal aux yeux quand je les regarde. Quand je regarde ce qu'elles font. Alors... l'assassin.
L'assassin. Oh bah tiens, on va aller sauver ce pirate là-bas. Vite fait. Hop. Mais non, je veux pas qu'on me laisse tranquille. Moi j'aime bien quand il y a des chasseurs de pirates qui me foncent dessus. Ça me fait des ressources gratuites. Donc alors. Que 3 mecs? Parfait. J'ai 3 flingues. Welcome. Grazie, merci. Je suis à tes ordres, capitaine. Bien. Wow, plus 2 membres d'équipage et je viens de sauver qu'un mec. Ok. Alors. Par là. L'assassin. Le voilà. Salut. Te revoilà. Ouais. Tu as donc trouvé ta conscience? Je veux ma clé. Voilà d'abord. La conscience est une vertu. Tu attends de la visite? Tu pourrais trouver ta clé plus tôt que prévu. Aide-nous à défendre le bureau. Ceux qu'on a libérés nous aideront. Ça c'est beau ça. Bon bah écoute, ouais, on va défendre. Génial. Ouais, donc toi. De toute façon, si j'en ai marre, j'utilise les flingues. Hop. Perce ses défenses. Ce fut rapide. Waouh. C'est trop calme. Mieux vaut se méfier, d'autres vont venir. T'as raison, c'est trop calme. Moi j'en profite pour récupérer des munitions. Hein, quoi? Attends. Tic. Hop! Ça c'est de l'élimination. Qu'est-ce que t'as essayé de me faire là? Refais pour voir. Ouais, j'aime mieux ça. Qu'est-ce qu'ils font? Tuer les attaquants. Mais non, regarde. Lui c'est fait. Toi t'as fait une grosse erreur. Franchement tu m'insultes. Pensez pouvoir me tuer moi. Faut être fou. Voilà. Magnifique. On y go. Donc on tue vite fait en fait cela quoi. Avant qu'ils arrivent. Salut. Hop. Hop. Ça c'est beau. Hop. Bah oui, regarde, c'est facile. N'oublie pas à qui tu parles. Hop. Pourquoi je ne me sers que d'une seule épée? J'en ai deux. Edward, je suis vraiment content que tu sois venu. Désolé de ne pas avoir de clé à t'offrir, mais... Non, la clé peut attendre. J'ignore qui a fait ça. Mais je compte bien lui donner une leçon. Ce Templier s'appelle Kenneth Abraham. Il prend part à la guerre contre les Marrons. Mais nous tenons toujours bon, et il ne nous battra pas. Laisse-moi décider d'un plan. 100%? C'est bon, ça. Donc il a dit laisse-moi décider d'un plan. Mais je ne suis pas d'accord. Donc je vais tout de suite aller le rejoindre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le Templier en fait il est dans la zone rouge. La zone où la dernière fois on s'était stoppé. Où je pensais que c'était une plantation mais en réalité il n'y avait rien. J'étais complètement dégoûté. Mais bon. Oh, c'était bien fait dans Assassin's Creed 3 et tout. Le mec il a jambé et tout, les barrières. C'est bien foutu quoi. Hop. Je me demande si ça serait intéressant dans un Assassin's Creed de mettre un arbre de compétences.
Ça rajouterait de la difficulté, ça c'est sûr. J'ai un plan, mais notre tâche sera ardue. Abraham a des relations et beaucoup d'argent. Nous avons repéré un homme de son entourage. Nous le suivrons jusqu'à ce qu'il dévoile notre cible. Laisse-moi lui régler son compte. Le voilà qui arrive. Il n'y a pas plus voyant. Eh, t'es un assassin, t'es pas censé être discret. Eh, madame, tu te pousses s'il te plaît. Non, mais c'est pas possible. T'es pas censé être discret, toi. J'ai vu mieux. Hein. Regarde, ça, c'est ce que j'appelle de la discrétion, tu vois. Une nuit propice à un bal. Une nuit propice à célébrer la victoire à venir. Nous sommes nombreux. Ils n'ont pas la moindre chance. Dommage qu'ils ne soient pas invités. Ils ne veulent pas célébrer notre victoire. Mon dieu, mais qu'est-ce que je suis furtif! Tous sont les bienvenus! J'arrive de la caserne. Que la nouvelle livraison d'armes réglera ce problème de non, vous... une fois pour tout. Non, c'est faux, je n'existe pas. C'est faux. Ils font quoi? Probablement, on s'y attend toujours. Mais cette fois, cela n'aura aucune importance. Mesdames. Et quelle est donc cette réunion? Je ne suis même pas invité. Ce qui est normal. Eh bien, si vous voulez m'excuser, je dois régler une affaire privée avant de faire mon entrée. Moi aussi. Nous nous reverrons là-bas. Parfait. Eh ben dis donc, ils auront pas marché longtemps. Bon, un petit coup de furtivité. Mais regardez-le, comment il est pas furtif ce mec! Je n'ai jamais vu de soldats plus rusés que Maron. Je comprends pourquoi il a été plus dur à battre que les Sixions qui l'ont précédé. Ok. What? Incorrect, Abraham est ailleurs. Ah oh bah ouais, logique. Par contre, il va m'énerver lui s'il regarde vers moi. Je vais essayer de passer par là. Bravo, ça c'est bien dit. Ok. Comme si j'allais me faire avoir par un épouvantail. Ok. Tiens, je vois l'assassin. Ok. Donc il me reste plus que par là. Tiens, tiens, et là. Ah ah! Donc on l'a. Oh, le tuer? D'accord. Eh, hey, salut! Tu. Même pas un petit salut, non? Bon. Je le tuerai depuis les airs. Motherfucker! Anto. Depuis combien d'années nous battons-nous? Beaucoup. Des hommes dans les montagnes sans armes dignes de ce nom, face à ma splendide armée. Et pourtant, tu vis, et moi je meurs. C'est la volonté de vaincre qui te manque. Ou une volonté tout court.
Bon, t'as une clé sinon sur toi, non? Le mec! Ah, voilà. Ah, par contre, je me casse. Fuyez le secteur et cachez-vous. Faudra pas me le dire. Je suis sûr. Hop. Si tu veux. Déclenche l'alarme. Moi, de toute façon, je serai loin. Un secours! Là, c'est parfait. Alors? Mais oui! C'est bon, ça! 100%, dis donc. Et ben voilà. Et 1500. Ça me fait plaisir. Ah, visiblement, c'est... après, ça sera bien d'entraîner le petit ninja. Bon, c'est rien, c'est juste une petite application où on doit entraîner un petit ninja, Clumsy Ninja, je sais pas si vous connaissez. Tac. Capturer et fou. Oh, c'est ça, comme si j'avais que ça à faire. Ah, par contre, un peu bugué, hein, mon petit chat. Je suis pas d'accord. Bon, l'assassin, je pense que c'est bon avec lui. Il va plus me parler. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il reste combien de temps pour l'épisode? Bon, plus beaucoup. Bon, histoire de tuer du singe. Parce que ça, je l'ai pas encore fait. Salut, toi. T'as jamais dit qu'il fallait jamais se balader tout seul? La nuit, surtout. Du singe, y a-t-il du singe ici? Normalement, oui. Non, mais pas ici, ici, non? C'est de l'autre côté, non? Et si c'est de l'autre côté, comment je fais pour aller de l'autre côté? Non, visiblement, de l'autre côté, on peut pas y aller. On va, au pire c'est pas grave, on va pas s'occuper de ces petits singes. On va directement trouver un autre assassin. Ou un truc Maya, un truc mèche. Pour ça, il faut retourner au bateau. Le bateau qui se trouve assez loin, je pense. On peut passer comme ça ? Il est où mon bateau? C'est lui là-bas. J'aurais bien aimé trouver une barque en fait. Attends, après tous les magnifiques efforts que j'ai fait, je pense que je peux... Fais voir. 75. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. On va attendre. Tenue. C'est vrai que je suis un peu... Ah, je suis tenté par cette cape. Je suis tenté. Je sais pas. On se la prendra pour le prochain épisode, je pense. Je pense que ça sera mieux comme ça. Bah, celle-là, là, la cape de pirate, là. Ouais, prochain épisode. Donc, je voulais. Épée. Parce que moi, je suis encore avec cette épée malheureuse d'officier, là. Ouais, je suis avec celle-là, non? Non, j'étais pas avec celle-là. Mais bon, j'étais avec laquelle alors? C'était la question. J'étais avec. Je crois que j'ai. Voilà, j'étais avec ça. Voyons voir. Voilà. Vitesse 2, combo 4, dégâts 3. Nanana. Pas facile de trouver une épée supérieure à la mienne. Eh ben. J'ai dû prendre une... Ah tiens, plus de vitesse celle-là. Elle coûte 14 000. Bon, je prendrai celle-là. Libérer les deux otages sans vous faire détecter. On va vite le faire. Pardon, excusez-moi messieurs. On ne me voit pas, je suis complètement furtif, c'est magnifique. Libérer les deux otages sans vous faire détecter, où sont-ils? Très bien. Merde. Improvisation totale.
hop, je fouille, quitte à faire des économies. Oh, tombe-lui dessus. Tombe-lui dessus. Voilà. Bon, on se casse maintenant. Parce que là, je pense que ça craint. Ah bah génial, une barque. Hop. On va gagner le navire. Ça, c'est de l'équipage. Hop. Moi, ça fait plaisir dans ce jeu parce que il n'y a pas beaucoup de temps de chargement et quand il y en a, ils sont assez courts. Donc, moi, je. Voilà. Ce jeu est parfait. Quoi qu'il y ait des petits bugs, mais bon. Le moteur d'Assassin's Creed fait tellement de calculs par seconde qu'on peut lui pardonner. Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Oui, tu voleras dans les plumes de ces maudits anglais un peu plus tard, s'il te plaît. Ah, je pense qu'ici, il y a moyen d'aller voir. Je vais pas m'en plaindre. De l'assassin, je pense qu'il y a de l'assassin là-bas. En avant. Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer vers Toulon. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule. Je sors de pirate, vas-y. J'en sais rien. Mais ce Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Il mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Toulon. Bon. Alors, ce qui est génial avec le mortier, c'est qu'on peut vraiment attaquer de très loin. Vraiment très loin. Donc, voilà. On freine un peu, boule explosif. Et on aborde. Chasseur de pirates ? Ha ! Tu parles. Alors, j'arrive pas à les avoir. Ah, excuse-moi, je me raterai pas deux fois la prochaine fois. Un peu bugué. Hop. Hop. Et voilà. Bon, bah, des chasseurs de pirates, hein. Voilà quoi. Moi, j'ai vu mieux. Réparer le bateau, ça ne sert strictement à rien, on n'a pas reçu de dégâts. Réduisez l'indice de recherche, non, les chasseurs de pirates, moi ça m'amuse. On va plutôt envoyer la flotte. Mais oui que c'est beau. Donc... Ton appui va permettre d'améliorer le navire, capitaine. Ah, c'est derrière plutôt. Ils se font la guerre, hein. Attends une minute. Break. Ouais, mais non. Ouais. Et là, frégate. Pourquoi ils se font la guerre? Oh, me fonce pas dessus. Tu vas le regretter, je te jure. Voilà, c'est bon. Bon, eh ben, faites-vous la guerre. Faites-vous la guerre, moi ça me fait plaisir. Et donc voilà tout le monde, je vous dis à plus pour le prochain épisode. N'oubliez pas de me dire s'il y a des joueurs PC qui me suivent pour le petit concours. Ce bateau-là est en train de me foncer dessus ou j'aurais... Non, je pense pas. Et donc voilà, donc je vous dis à plus pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos et merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Plus tout le monde.